Mettre les espaces au service de la pédagogie est une réalité dans notre établissement. Nous avons fait le choix d'aménager des salles dans un secteur dédié aux pédagogies innovantes pour les mathématiques. Cette réflexion de l'équipe a permis de développer l'engagement des élèves et des professeurs et de lancer une réelle dynamique dans le collège. Au collège, souvent, on finit par faire cours avec quelques élèves. En effet, certains sont passifs par manque de motivation et d'autres sont bloqués par des problèmes de compréhension et nécessiteraient une aide personnalisée de l'enseignant ou de leur père. Bon, vous me préparez ce parallélogramme là et je passerai les chercher et je vous distribue des feuilles. Donc il y a deux par deux, c'est un travail sur les airs. Avoir une grande salle me permet de favoriser l'interaction et la collaboration entre les élèves. En agençant la classe différemment, je change plus facilement de posture. Les élèves travaillent d'abord toujours individuellement, puis ils échangent, expliquent, justifient. Tous se mettent en activité. L'espace du fond permet de trouver des exercices de concentration, d'aller chercher des fiches de travail autonomes ou alors de pratiquer des activités plus ludiques. Avec les groupes de 4, on peut mieux travailler et s'entraider. L'ambiance est plus sympathique, on peut même bouger les tables. Lorsqu'on travaille entre nous, on a moins peur de dire des bêtises, on s'exprime plus librement et on peut s'expliquer les choses. Et si vraiment on a un problème, le prof est disponible pour venir nous aider. Il y a du bruit, mais c'est parce qu'on participe, on échange, on cherche, on crée à notre rythme. On s'approprie l'espace. Grâce à cet aménagement des espaces, l'ambiance de travail est plus sereine. On peut aborder des activités que l'on n'aurait pas imaginées dans une configuration traditionnelle. Toutefois, notre espace est encore trop fermé. Comme toutes les salles ne sont pas aussi grandes, nous avons aménagé l'espace existant au mieux. Idéalement, il nous faudrait des ouvertures entre les salles, ce qui a été demandé. Cela nous permettrait de faciliter le travail en groupe, en autonomie et de favoriser les déplacements, mais aussi les échanges avec le professeur.